Le 31e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a ouvert ses travaux aujourd'hui à Nouakchott en Mauritanie. Une quarantaine de chefs d'État africains et de gouvernement prennent part à ce sommet, placé sous le thème « Vaincre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique ». D'autres points sont à l'ordre du jour de ce sommet de deux jours. Il s'agit notamment de la réforme institutionnelle de l'Organisation panafricaine, la zone de libre-échange continentale africaine, l'état de la paix et la sécurité dans le continent, l'examen des projets d'instruments juridiques ainsi que l'adoption du budget de l'Union. Sur la négociation d'un nouvel accord de réforme redoublée.